Bonjour à tous, bienvenue chez Azure Bassin. On va faire une petite explication sur les systèmes de bassin en gravitaire. Donc là, on est sur un bassin en béton. On peut voir qu'il y a trois bandes de fond. En face, là-bas, on a les retours en 110, deux fois, deux fois 110. Donc ça, c'est le retour de la filtration. Idéalement, à l'opposé, on met le skimmer. Donc là, on a un skimmer, donc en gravitaire, donc on est en 110 mm. Avec des coups de grand rayon, ça c'est très important. Je vois bien trop souvent des coups à 90 degrés, euh, style plomberie, qui cassent énormément le, le débit, le flux d'eau en gravitaire, c'est pas bon du tout. Si on veut pouvoir euh, tirer au moins 12 000 à 15 000 litres sur un tuyau en 110 en gravitaire, il faut des coups de grand rayon. Donc là on voit, il y a des coups de grand rayon de partout qui cassent pas du tout le débit. Là on peut voir, ça c'est la sortie qui est prévue pour le trop-plein du bassin ce qui va nous donner un, un niveau régulier d'eau dans le bassin, qui sera raccordé ici, on voit là, donc là après on est sur du tuyau d'évacuation, hein. là c'est juste un, un petit débordement, on a prévu ici, on peut voir un bouchon pour pouvoir nettoyer de temps en temps avec un coup de jet d'eau le tuyau s'il si, si s'encombre, hein. au bout de quelques années, euh, enfin au bout de quelques mois même, on a des, des dépôts qui se font dans les tuyaux, donc il faut prévoir de quoi nettoyer, donc là on va suivre le petit tuyau qui part ensuite voilà bon on, on l'a noyé dans du quindry mais on a un, un grand tuyau d'évacuation qui part donc là bas suivant les installations ça va être soit vers vers le jardin soit vers le tout à l'égout ou un système de fosse euh, sur le tuyau du skimmer là on a un thé avec une vanne guillotine en 110 donc ça c'est pour pouvoir purger les tuyaux parce que sur le même principe que le, le petit tuyau ici d'évacuation du trop plein bah, sur les tuyaux en gravitaire que ce soit les bombes de fond ou les tuyaux euh, euh, des skimmers, on a des dépôts qui se fait dans les grandes lignes droites, et puis bah, de temps en temps, on, on va fermer la, la vanne qui va se trouver un peu plus loin, là qui sera raccordée sur un tambour, et on va ouvrir cette vanne là qui va servir de, de backwash de vidange. On va faire une, une grosse accélération du, du débit d'eau euh, pour purger les tuyaux tout simplement. Là, on va voir la première bande qu'on retrouve ici qui sort là, pareil, un coup de grand angle. On a une vanne, alors là on ne le voit pas parce que c'est pris dans le béton, mais on a un Y en fait dessous qui vient ici. Pareil pour pouvoir vidanger les bondes aussi. Et ensuite ici, on a les vannes guillotines qui vont être accordées à un filtre, à un préfiltre à tambour. Donc là sur le même principe, on a un Y qui est pris dans, dans le béton. Donc ça c'est la bande du milieu. Et pareil ici. Une deuxième vanne, ça, ça a un peu un coût, c'est sûr que ça demande un peu un budget, mais c'est vraiment important de le faire. Et là on voit le tuyau d'évacuation qui part. Euh, on va mieux le distinguer ici parce que j'ai pas encore enterré. Voilà, je vais vous montrer. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux le système. Donc là, on a le tuyau ici qui sort de la bande de fond. Un Y. Toujours le même principe que tout à l'heure, on hein, ne pas casser trop le flux. On garde euh, si possible du 45 degrés plutôt qu'un T. Voilà, là, pareil, on a du 45. Donc là, on a le tuyau qui retourne vers le, vers le tambour. Et en ligne droite dessous, une sortie ici où il y aura une deuxième vanne qui va servir à purger donc, la troisième bande. Là, le petit tuyau en 32, euh, certains vont se demander ce que c'est. En fait, euh, on a mis sur ce bassin-là des bandes de fond qui sont oxygénées. Donc on a un 32 qui est collé qui va remonter assez haut jusqu'au niveau haut du bassin. Et ce 32-là permettra de passer un tuyau d'air pour pouvoir alimenter les, les bondes de fond qui sont oxygénées. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça, ça a permis à certains euh, d'y voir un peu plus clair sur la, la, la technique des vidanges de bondes de bassin. Voilà, donc là, je vous remontre un petit peu les sorties du filtre, les trois bondes de fond, et à l'opposé, on a notre skimmer. Voilà. Certains vont sûrement me demander. Donc là, on est sur un bassin en béton, à gloire de 20, ferraillé, dalle de 22 cm au sol, ferraillé, c'est coulé en une seule fois. Donc on a le fond et les murs qui ont été coulés en une seule fois. C'est une technique un peu particulière. Et on a une étanchéité, là on est sur du top 209 qui vient s'appliquer. Donc c'est un produit, c'est un enduit micro mortier d'étanchéité qui, à la base, est servi, utilisé, pardon, pour les les cuves en béton d'eau potable. Donc pour nos poissons, pour nos coilles, il n'y a aucun problème. Donc là, on a mis un petit coup de papier de verre pour faire une finition extrêmement lisse. Pour les coilles, c'est important. Voilà, bonne fin de journée.